bataille, j'aimerais revenir sur un passouk de la paracha Ekev, chapitre 10, où il est marqué « Ki Hashem Elokechem, car est-il votre Dieu, ou Elohe Elohim, c'est le Dieu de tous les dieux, va donner à Adonim, le maître de tous les maîtres, et le Gadol Agibor Vanora, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, début de l'Amida, Dieu qui est grand, qui est puissant et qui est redoutable, Hashem lui Safanim, qui ne lève pas la tête, Veloikar Shochad, ça veut dire il fait pas de, il prend pas de pot de vin, il prend pas de, il y a pas de, il y a pas de, voilà, il y a pas de, il y a pas des sauf-conduits comme ça, des choses. Osé Mishpat Yatom et Almana, il fait le jugement de la veuve et de l'orphelin et de la veuve. Veuve guerre, il aime l'étranger, la tête l'eau l'échem et simla, pour lui donner du pain et aussi de quoi se vêtir. Sur la succession des choses, la chère Loïcar Chochad, que Dieu ne prend pas de Chochad, et puis il enchaîne avec, il fait le jugement de la veuve et de l'orphelin. Certains vont vouloir expliquer la chose suivante. Certains s'imaginent que quand on fait du chesed, on fait des choses de chesed, c'est tout. Voilà. C'est vrai que le chesed, la bonté, la générosité, c'est quelque chose de fondamental. Et il y a des gens, ils font toutes sortes de choses qu'il faut pas faire. Mais dis bon, comme on fait, j'ai les veuves, l'orphelin, on fait attention, etc., on fait attention à les tzedakas, alors Hachem, il va, le Ikar Shochad. Dieu ne prend pas de Shochad. Si on se comporte mal au niveau moral, au niveau de notre relation avec Hachem, faut pas croire parce qu'on va faire du chesed avec des pauvres, on va soutenir une veuve, ce qui est méritoire, en soi, il faut pas, ça n'a rien d'importance, mais ça ne, couvre pas, ça ne justifie pas de dire ah ben alors maintenant il a carte blanche pour faire tout ce qu'il veut. Et c'est souvent comme ça dans le monde, les gens imaginent que parce que bon alors il fait alors il, et c'est ça la succession dans le pasouk. Hashem Ikar Shochad Osé Mishpat Yatom, c'est Dieu qui fait lui-même le jugement de l'orphelin et de la veuve. Et il attend pas, c'est quelque chose, une petite réflexion comme ça que je voulais partager avec vous. Excellente soirée.